bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Far Cry avec l'épisode 26. Incroyable mais vrai, on avance à une vitesse. Oh là 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 là, j'en mouille le slip comme on dit aux États-Unis d'Amérique évidemment. Et on va continuer nos quêtes principales avec Silence Radio, rejoindre la tour au nord. C'est à 2 km, eh les gars. Bon, 1,5 km, désolé les gars, j'ai fait vraiment un vol d'oiseau. On va prendre cet hélico de merde, littéralement, parce qu'il n'a ni mitrailleuse ni rien pour se défendre. En gros, je risque de prendre ce que je mérite et on se retrouve directement là-haut. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on discute pendant le trajet? C'est vous qui décidez. Appuyez sur la touche F de votre clavier si vous voulez qu'on discute aille. Et sinon, appuyez sur la touche M pour aller directement au bout de ce trajet. Et bien évidemment, je suis quasi sûr que certains ont essayé d'appuyer sur FM, ça ne fait strictement rien. Ça peut peut-être faire quelque chose. Peut-être que j'ai découvert un easter egg américain. Ce serait relativement incroyable. Bref, j'espère que vous allez bien. On a commencé une nouvelle série, Détroit Become Human. Incroyable, incroyable! J'espère que vous avez lâché un petit like. Far Cry 5 étant bientôt terminé, j'aurais bien voulu que Détroit sorte une semaine après. J'ai appelé les studios de développement, j'ai dit les gars, faites un petit effort s'il vous plaît, le temps que je finisse Far Cry. Ils ont dit ouais mais, you know, parce que c'est des Américains bien évidemment d'Amérique, hein. J'ai parlé au Obama lui-même, il m'a dit, ah you know Mr. B-Boy 45 and scan motherfucker. J'ai fait ok, les gars, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on va faire avec. Donc vous aurez un épisode de Détroit tous les jours pendant 4-5 jours, et vous aurez toujours du Far Cry et du God of War tous les deux jours, c'est incroyable. Donc je devais détruire le haut de la tour, d'accord? Ça, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Et comment on va faire? Bah, vous savez quoi? On va faire comme on fait aux States. Vous devriez la repérer. Même topo. Grimpez au sommet et bousillez le brouilleur. On va faire tout simplement les Américains, d'accord? Ah, peut-être trop Américains. Ça, c'est très Américain! Ça, c'est très Américain, c'est ça qu'on veut, c'est ça l'Amérique. Succès débloqué, fait comme l'oiseau. Sauf que je doute que l'oiseau atterrisse comme j'ai atterri, d'accord? J'ai très très mal atterri. Vous devriez la repérer, même topo. Grimpez au sommet et bousillez. On va y arriver les amis. Aïe! J'ai pris un coup d'hélice, ça arrive. Ça arrive, alors il y a déjà des trucs qui brûlent. Mais non! Idiota! Oh les gars, c'est rien, eh hey. Yo les gars, salut à tous. Hop. Eh, hey, c'est rien. Ninja, c'est incroyable, incroyable ce qui s'est passé. Incroyable mais vrai, découvrez ce joueur. Quoi? Une balle de snipe, ça te fait rien frère, vraiment? Allez, allez, hop. Un petit zoom pour être sûr de pas louper ma cible. Faut y aller hein. Ah, j'ai réussi à la louper. Ça c'est américain. Non, attends, là, là non mais deux balles, non mais vous êtes plus solides qu'avant les mecs. Deux balles maintenant, ils sont gourmands hein. Il est où le dernier? Allez, hein, c'est chiant les gars, faites un petit effort. Bon! Non mais les mecs, c'est bon, stop, stop, stop. Stop, comme disait Maître Gims, stop. Repense à tes mômes. De quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots. T'es parano. Manipulé par un autre, on adore. Allez, on est parti, hein. Maître Gims, si tu nous entends. Elle était pour toi celle-ci. On va monter comme des connards. J'adore. J'adore tout ce qui est connardise, si je peux me permettre. Et on va arracher directement ce petit boîtier de merde. Normalement, une balle devrait suffire amplement. Hop, voilà, je l'ai pas touché. Hein. C'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, ça dégage. Ça a marché. Ouais. Une petite minute. Oh non. Ok. Le troisième brouilleur est sur un camion. Au sud. Il est sur la route au sud de votre position. Si vous faites vite, vous pourrez lui tendre une embuscade. J'ai envie de tenter un truc. Rarement tenté dans l'Ohio. Ok. Les gars, si j'y arrive. Hein. Si j'y arrive. Franchement. Attention. Ça peut être. Ouais, je me fais totalement tirer. Ok. C'est parti. Ah, vous vous êtes foutu de ma gueule, détruisez le camion. Ok. Ok. Regardez bien les amis. Je ne ferai que rarement ça, n'est-ce pas? Oh putain, attends. Il se rapproche ou pas? C'est là la question que la France se pose. Ok, je crois qu'il se rapproche totalement. Regardez bien.
Alors normalement en Amérique on roule à droite, pas de soucis. Oh les bâtards, on peut pas en faire d'autres. Regardez bien. Ça peut être très très drôle. Et on peut se faire chier aussi, hein. Il peut se passer beaucoup de choses. Ok. La voiture! La voiture a disparu! Oh, ça bug, je crois. Ça bug. Oh, ça bug. Ça bug, je crois, c'est incroyable! Le mec s'est garé! Oh, la chance qu'on a, la chance! C'est bon. La voiture a disparu! Contrairement à ceux qui ne partagent pas ses goûts musicaux, peut-être qu'on va pouvoir se faire confiance finalement. J'ai du boulot pour vous, Wolfsden, si jamais vous vous ennuyez. À plus tard. Allez, mon gars! Ça! C'est fait! Silence Radio Mission Complete! Ouais, y avait une voiture ici, j'en suis quasi sûr. 900 RP! Oh Jésus, pas mal. Pas mal, les mecs, je prends volontiers. On est parti, on a une quête juste ici qui s'appelle Libération. On y va à pied comme des connards. J'adore, j'adore être un connard dans le jeu. On apprécie. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables moments avec ce lever du soleil maintenant. Dans ce doux Far Cry, 900 RP, c'est cool quand même. Hein. C'est cool, on crache pas dedans. Vous savez ce qu'on dit? Ne crachons pas dans la soupe avant de l'avoir bu. D'accord? On ne dit pas exactement ça, mais bref, vous avez compris le sens privilégié de cette petite expression familiale. Ok, on est parti. Hop, voilà, ça n'a servi à rien, c'était une glissade totalement pour le style. Aucun problème. J'ai mon space 12 hein, à tout moment, les gars, dans le jeu. C'est bien, hein, y a pas besoin de compagnons en vrai, on va pas se mytho. Je trouve que... Oh, putain. Allez, vous êtes plus très loin, vous faites surtout pas remarquer. Faut éviter que Briggs soit blessé. Non, personne m'a remarqué, t'inquiète pas. Pour info, j'ai pas de caméra dans le bâtiment. Souvenez-vous, une fois à l'intérieur, remplacez la bande et laissez la déprogrammation faire son travail. Non, t'inquiète. Ouah, il fait des sauts et tout. Ah, ça c'est moyennement prévu. Ça c'est moyennement prévu. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, on fait avec. Ça c'est fait. Non, je vous le dis, c'est moyennement prévu. Stop, hein, les gars. Stop, faut arrêter de m'embêter, hein, s'il vous plaît. Hein. Il faut arrêter de m'embêter, s'il vous plaît. On y va à l'ancienne ou quoi, les gars? Allez, espace 12. Oh, c'est un loup, putain. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Vous avez entendu quelque chose, vous? J'ai rien entendu. Info? Vous avez entendu quelque chose, vous? Allez, cherchez Briggs dans l'hôtel. Yo, les gars! Ça dégage très rapidement. Mm-hmm. Briggs, où es-tu, mon ami? Ah, bah putain! Forcément, la dernière porte! Ok. Sécuriser la zone! Jacob devait s'attendre à ce qu'on frappe à nouveau. Ok. Je vais te sécuriser ça. Putain, je vois des mortiers, des mitrailleuses dehors. Improvisé. Ils ont des tas de chouchous ici. Et ça dégage! Ça dégage. Ça dégage aussi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hélicos. J'adore les hélicos. Régale-moi. Quoi? C'est forcément derrière l'embrouille, non?
Ok, j'ai compris où était l'embrouilleur. Allez, ça dégage. Désolé les gars, je suis hyper concentré. Quoi ? Ok. Allez, ça dégage. Allez, sécuriser la zone, c'est fait les gars. Encore. Ok, en cours, non, l'on mort. Les petits allers-retours des familles. Calme-toi, Starkey Hutch. Lui, il a pris sa dose. Y'a quoi? Y'a quoi? Putain, je vais mourir. C'est incroyable! Ils ont des aimbots, les mecs! Oh! En voilà d'autres! D'autres quoi? Je mens, hein. Oh putain, mais j'avais pas vu ça. Arrêtez! Ok. Oh putain. Oh putain, les mauvais plans. Oh les mauvais bails. Aïe! Oh là 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 là, elle est hard de la mission, frère! Quoi? Ok. Ah oui, d'accord. Allez, mon pote! Ça, c'est fait! Toujours pas fini vos conneries là? Quoi? What? Qu'est-ce qu'il fait, doux Jésus? Oh putain, c'était compliqué. Hein. Oh putain, c'était compliqué. Hein. Sacrée mission, les mecs. Hein. Vous avez vraiment l'étoffe des héros. Les choses se présentent bien pour Briggs. Les White Ties vont venir récupérer. Jacob pourra plus utiliser le Grand View pour ses lavages de cerveau. Putain, j'aimerais bien voir sa gueule quand il apprendra qu'il a perdu sa salle de torture préférée. Range-toi que je descende. Bon, vous avez prouvé qu'on se trompait tous sur vous. Enfin, sauf moi. J'ai toujours su que vous aviez du talent. On se revoit au Wolf's Den, soldat. Faites gaffe. Bon, donnez-la-moi la fin de mission, voilà, mon pote. Ça, c'est au moins 1500 RP, mon gars, je suis sympa. Bon, allez, je te fais une promo à 900, mon pote, parce que je t'aime bien, ok? Allez, 900 RP, encore une fois, on est bientôt au bout. Et on continue, hein. Bah, les gars, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a une belle mission principale, et après, c'est que des petites missions. Ça va être incroyable. On est parti, on se téléporte à tout de suite devant cette nouvelle mission. On peut parler? Salut. Ça durera autant que tu le voudras. J'étais pas sûr de vous revoir. Faut croire que vous êtes plein de surprises. Ce minable s'occupait de la sécurité au chalet. Heureusement pour nous, il était pas fait pour ce boulot. Il a terminé dans ma petite piscine. Apparemment, cet endroit est utilisé pour former les élus. Si vous les avez vus à l'action, vous avez deviné qu'ils sont impitoyables. Vous savez ce que Jacob leur filait comme cible à l'entraînement? Des êtres vivants. Comme ça, terminer les scrupules.
Ces enfoirés en ont rien à foutre de ceux qui ne sont pas dans leur secte. C'est une meute de chiens enragés. On doit les éliminer. Alors vous allez vous rendre au chalet. Vous allez tuer tous les élus que vous verrez. Et vous allez farcir le bâtiment d'explosifs. Et ensuite, on regardera ce trou à rats se transformer en tas de cendres. Ça vous dirait ? Ouais, dans l'immédiat, bon, c'est pas... c'est pas très ouf, mais quand même, lui, il a pris ce qu'il méritait. Hein. J'ai envie de le cartoucher, c'est long, hein. Mais bon, je suis un gars assez sympa. On est parti ! On va voir où elle est, cette petite mission, cette grosse mission. Oh, elle est dans une région non explorée. Ok, bah on va prendre l'hélico juste au-dessus. J'ai la flemme de prendre l'échelle. On y va. Allez les amis, nous sommes bientôt arrivés. J'espère que vous êtes prêts. Je pense que c'est une, voire la dernière mission principale de la région. Après, on sera très très proche d'invoquer Jacob et lui mettre ce qu'il mérite. Ça se fera, à mon avis, au dernier épisode. Le chalet, ok, il est là. Sachant que je ne peux pas... Ah. C'est une vraie forteresse, cet endroit. Tuer l'élu. Ok. Il y a des mecs en tyrolienne, les gars. Ah oui, d'accord, ça fait des entraînements et tout. Très bien. Et on se gare ici au calme. Ils ont rien vu, les gars. Ils ont rien vu. Très bien, on est parti. J'espère que vous êtes prêts. J'ai envie, déjà, d'aller voir les points de talent. Ah, on peut pas se régaler autant que ça. Hein. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait les caches. On va se prendre des potes. J'ai envie de prendre un ours. Un ours qui tente sale. Et... un mec au lance-flammes. Oh, oh, oh. Oh non, lui, à la roquette, il peut faire très mal. Oh là là! Eh, faites-moi rêver, les mecs. Ah. La culture et la technologie ne nous améliorent pas. Hey, je peux pas rester là, je bouge. Si nos ancêtres nous voyaient, ils auraient honte. Ils en seraient malades. Ils seraient en colère. Et deux. Nous avons oublié nos origines. Nous avons oublié. Anesthésie locale, c'est terminé pour l'élu. C'est fait. Ah, il est là, l'autre élu. Est-ce que je peux traverser au calme-zer? On va faire attention, hein, les gars. Hop, les élus, c'est fait. Ok, ensuite. On dirait que vous les avez eus. Posez les charges et déclenchez le feu d'artifice. Witty les a gonflés un peu, alors admirez le spectacle. Très très bien. Me voilà ! Eh, c'est pas génial ! On est enfin réunis. J'ai quand même un ours et un mec à côté de moi, mais tout va bien, les gars. La guerre fera ressentir le cœur. Orc va bouger ! La guerre nous donnera la vie. Quelle est la pire chose que tu pourrais être. Ok les gars, je retiens ma respiration, sait-on jamais. Non non, c'est pas faible. Ah pardon, désolé, j'ai voulu tester si le mur tenait bien. Oh le... le petit doigt d'honneur des familles, c'est normal, c'est la famille. Surtout après la générosité dont nous avons fait preuve. Admire un peu comment je bouge. Je vais courir tellement bien, donc on prend tes yeux. Et comment je vais là-bas? Poser des explosifs. Comment je vais en bas? Normalement ça c'est un chalet, donc c'est... ça devrait être dehors l'entrée, hein. Je connais bien, j'ai... pas du tout. Pas du tout, faut vraiment que je ferme ma gueule. Pitié, pitié. Pitié. Je sais pas ce que là. Les bombes sont en place. Tirez-vous. Vous en serez malade. Vous révolons mort. Mais cinq. Quatre. Trois. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Mérica. Ah, petit brindille qui bloque. Ça, c'est pour Mark. Allez, ça c'est fait, mon pote. Si c'est pas beau à voir, c'est un putain de nettoyage. Que les choses soient bien claires. Personne ne revient du fauteuil de Jacob sans équelles. Il est vu, de mes yeux.
On entre comme on était, et on revient différent. Ellie pense que vous êtes réglo, mais on verra bien. De toute façon, il y a encore beaucoup de choses à faire au Wolfden. N'hésitez pas à passer et... Mon ours est déjà mort, hein. Je crois que c'est mon pote qui a arraché mon ours, hein. Allez mon gars, ça c'est fait. Oh là, regardez la visée sniper qu'il a dans les dents. Oh, il a régalé. 900 RP. Les gars, ça c'est beau. Eh, relève-toi frérot, je suis désolé poto. Ouais, je sais, c'est... la vie est parfois dure. La vie est parfois dure et cruelle. Les gars, ça y est les mecs, regardez. Si je fais tabulation et que je vous montre la map, ça y est, on a fini l'intégralité des quêtes. On va pouvoir aller tuer Jacob et on a du clutch Nixon. J'ai envie de vous dire n'importe quoi, il me semble 26. Donc 28 épisodes max, c'est terminé. Ça, c'est beau. Ça, c'est le sport. Ok, les gars, préparez-vous parce que je crois que personne ne va être prêt. Hein. Personne va être prêt. Je voulais prendre celui-là. Je me suis totalement fait enfler la dernière fois. Maintenant, il coûte 2000$, frère. Ah non, c'était lui que je voulais prendre. Voilà, c'était lui. J'ai cru qu'on m'avait carotte. C'est bon, les gars, je suis rassuré. On est parti. Allez, mon gars. Bon. Hop, toujours fermé. Ok. On se met droit. Ok. Bon, les hélicos, j'en fais... les gars, j'en fais mon quart d'heure. C'est parti. Waouh. Désolé, clic droit. C'était pas prévu, je vous avoue. Allez, les gars, les hélicos, c'est pour moi, c'est pour régaler, pour finir cette vidéo. Et normalement, notre barre sera presque au max. Et ça, c'est très très... Waouh, wow, c'est combien les gars? Regardez, en bas! Oh déjà? Waouh! What? Ils sont insane les mecs! Ok, on est parti. Alors les potes, les gars, coéquipier, donc toi je te veux dans mon équipe. Ok, toi je te veux dans mon équipe, clairement. À la place de ce monsieur là. Voilà, il me fait peur en plus, j'ai jamais osé le dire. Allez, on est parti. Bon, moi les gars, il me faut du solide. Hein. Putain, ouais, mais c'est pas solide pour un sou. Bombe incendiaire et roquette. Non, mais il est très bien celui-là. Il faut juste que je fasse plus attention, si je peux me permettre l'expression. Ah. Attends, on a divers problèmes ici. Allez, on est parti, les gars. On est parti. Salut maman. C'est peut-être l'occasion idéale pour eux. Allez, on y va. Bien fort entre nous, vu que bah, il paraît que ça se fait. Ça dépousse de la sec, Toku. Fais attention. Juste en bas. Ok. On va faire demi-tour. Putain, ils veulent pas attaquer. Ah, j'étais passé au-dessus, j'aurais dû rester. Ok, les gars. Ok, mon avion se répare tout seul. C'est fait! Oh, je suis un monstre! Convoi armé terminé, merci mon Nick! Oh, 200 RP! Oh, les gars, on est tellement chaud! Incroyable, mais vrai! Les gars, il est temps de terminer avec un Nixon et après, on ira s'occuper de lui. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est le sport qui fait plaisir. Les gars, direction Nixon. Et après, on est bien. C'est terminé. Oh, le plaisir, les amis! Je confirme. Après, je sais pas comment ça va se passer avec John, ça risque d'être compliqué aussi, mais on est sur la fin, les potes, ça y est, on approche de la fin. Cet épisode a clôturé la région de Jacob. Je vais jusqu'au bout, les gars, on va jusqu'au bout de nos idées, ça fait plaisir. Oh, le bonheur. On y va, hop, c'est par ici. Regardez.
Faut pas parler chinois quand on va atterrir pile poil comme une fleur là-dessus. Et ouais, mon pote, y'a quoi? Allez, go! On est parti! Nixon, le plus grand cascadeur de la Terre, conduisit un véhicule tout-terrain dans des bois aussi indestructibles que lui. Oh là là, l'élan viril. C'est parti, les amis. J'ai que 16 secondes. Ah non, 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 mais j'y vais pas. Hein. Oh là 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 là. Non, 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 je prends pas les rampes. Hein. C'est l'enfer. Bon, là, on va la prendre, on n'a pas trop le choix. Écoutez-moi cette musique. On est des monstres. Oh putain, j'ai eu chaud, hein. Ça drift à max ici, hein. Ça drift à max, ils sont trop bien ces défis, franchement je kiffe de ouf. Ok, j'ai chaud, hein. Non. Eh, les gars, eh, ça arrive, eh. Hop, voilà. Eh, les gars, ça arrive, c'est rien. Écoutez bien la musique. Ça c'est des musiques finir, allez, ce qu'on aime ça. Ouais, ça devrait pas être trop dur ce défi. Attendez, j'ai peut-être ouvert ma gueule un peu trop vite. Compliqué. Allez, bombarde, frérot. Hein. Et le voici à la Syrie, à esquiver tous les obstacles. J'ai peur, hein. J'ai peur parce que le compteur il réduit quand même. Hein. Je crois que l'arbre il m'a mis dans le mal. Hein. Faisable, mais l'arbre m'a mis dans le mal. Allez, on est reparti hors piste. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ils ont pas fait des bâtards en vrai. Allez, régale-moi. Oula. Attention à l'élan qui se promène. Abuse pas, abusez pas les gars. Vous passez... Non mais ils abusent. Le jeu est magnifique, hein. Tellement beau. Tellement beau. Je sais pas quand ça termine, mais j'ai hâte. Hein. Ok, je fais que passer. Attends, on est vraiment gêné par les rebelles en pleine mission de Clutch Nixon, c'est terrible. On a un gros problème en approche. Non, abusez pas. Mais abusez pas. Je sais que c'est fait exprès, mais quand même, gâchez pas tout! Quel saut exceptionnel de notre pilote! Ok, j'ai eu chaud. Allez, c'est fini, les gars! Boum, mon pote! Hop, je suis mort. Élan viril. Là les gars, c'est bien 200 points. Ça y est les gars, Jacobs il est à vos trousses. Il est temps de l'éliminer. Et on va s'arrêter là. Hop, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et de commenter. On se retrouve très très vite pour la suite de nos incroyables aventures. Bon, on y est les gars. On est sur la fin de ce Far Cry 5. A très très vite tout le monde. Ciao ciao.